Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. L'enseignement de ce soir, c'est Dieu rend capable, sa grâce est là. Toi qui j'aime, encore heureux. Le bonheur, toi qui cherches. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Le frais, une vie complète. Tu as cherché. Ces années sans réussite et sans rien trouver de se faire un nom avec tous ces biens, cela ne sera rien. D'aller jusqu'au bout du monde, nous allons bien nous commencer. Tout connaître dans le monde n'apporte pas la vie. La vraie richesse, elle se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en lui. Si tu veux trouver la vie, cherche Jésus-Christ. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Voilà, 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 voilà. Il reste encore. Alors, j'ai lancé quelques invitations. Mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'a gratuitement. Jésus touffe tout dans ses bras. À toi de faire le bon choix. Jésus a tout changé. Il faut naître de nouveau. Et tu auras tout trouvé. Thank you.
Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de la possible. C'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de l'impossible pour lui, donc tout est possible. Alors cet enseignement que je veux faire, c'est Dieu rend capable, sa grâce est là. Et ça, cet enseignement, il est pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont à lutter face à quelque chose, à lutter face à des problèmes. La Bible appelle les problèmes les montagnes. Ce sont des montagnes qui se dressent devant nous et on a besoin de pouvoir s'appuyer sur la présence de Dieu, sur sa grâce, pour savoir que nous avons la possibilité, par ce qu'il va déverser en nous, de ce que nous avons la possibilité de sortir vainqueur de situations qui autrement auraient été insurmontables. Donc cet enseignement, c'est pour glorifier Dieu, pour rappeler qu'il a une puissance toute puissante, extrêmement puissante, et que Dieu n'est pas un homme pour être minimisé dans sa puissance. Dieu est un Dieu infiniment grand, infiniment puissant, en 7 jours, pas en 7 ans. En 7 jours, Dieu a créé la terre, l'océan, les océans, les montagnes, la terre, le sec, tout, les astres. Dieu a créé tout en 7 jours. Si Dieu a créé la terre avec tout l'univers, avec tout, enfin, c'est imaginer ce qu'il peut faire en quelques secondes, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi en quelques secondes, et comment sa grâce peut t'aider à dénouer, à t'aider à obtenir ta victoire. Donc, que tu saches bien au travers de cet enseignement que tu n'es pas seul dans ton challenge, dans ton combat, dans ta lutte, dans tes problèmes. Tu n'es pas seul. Si toi tu as mis ta foi en Dieu, je veux être là pour te rappeler les promesses de Dieu, parce que je pense qu'on se les rappelle pas suffisamment souvent. Donc à travers cet enseignement, je désire vraiment, c'est ma volonté, te faire du bien. J'avais noté cet enseignement parce que pour moi il est important, et je crois que c'est important d'appuyer, d'ancrer ces choses fortement dans les consciences, que ce soit vraiment inné, qu'on puisse vraiment toujours se dire c'est possible. Rien n'est plus puissant que la puissance de Dieu. À côté, tous les ennemis de Dieu sont, c'est ridicule, les ennemis de Dieu, toutes les puissances qui s'opposent à Dieu sont ridicules à côté de tout ce que Dieu peut faire pour toi. Donc, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers cet enseignement, mais je crois que Dieu veut te parler. Tu es dans une situation, tu es peut-être avec une colère, peut-être avec de l'amertume, tu es peut-être avec un manque de pardon, avec des personnes qui t'ont fait souffrir. Mais je veux te dire que par la puissance de Dieu, tu peux vaincre ce que tu n'étais pas capable de réaliser toi-même. Je t'assure que si tu demandes à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de t'aider à te rendre libre par rapport à ce qui t'empoisonne, par rapport à ce qui peut créer un ulcère en toi, toutes ces acidités que tu gardes en toi à cause de cette amertume, de cette colère, de cette soif de vengeance, eh bien Dieu veut vraiment te permettre, par la victoire de Jésus-Christ à la croix, de recevoir cette grâce
Il est parlé dans la Bible du trône de la grâce. Ça, c'est extraordinaire. Dans la Bible, il est parlé du trône de la grâce. Ce trône, c'est un trône. Tu t'approches consciemment, sachant qu'il y a une grâce, qu'il y a des mesures de grâce, qu'il y a des grâces en abondance, des grâces illimitées, c'est-à-dire des dons, mais aussi un esprit qui est là pour venir t'aider. Un esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui vient là pour t'aider spirituellement, pour, lorsque tu le pries, à vaincre ton challenge, ton problème, ce qui te crée tant de difficultés. Donc, ça, c'est la bonté de Dieu. Tu vois, on n'a pas un Dieu qui ne fait qui nous attend à la porte du paradis uniquement, mais nous avons un Dieu qui répond à nos besoins ici-bas. Si tu as vraiment des combats, des luttes dans ton cœur, il y a un Dieu qui dit « Remets-moi tes fardeaux, remets-moi tout ce qui te rend lourd, tout ce qui t'encombre, tout ce qui te pèse, tout ce qui te déchire, remets-le, et par la puissance de Jésus-Christ, je vais te montrer mon amour inébranlable et ma fidélité. » Au nom de Jésus, vraiment, si tu crois ça, tu vas voir le changement dans ta vie. Si tu crois, si tu ne doutes pas, si tu crois, tu confies ton problème, tu vas voir le changement extraordinaire. Ça, c'est vraiment précieux, précieux, précieux. Alors, Dieu rend capable. Il y a des choses que nous avons des combats chacun. Nous avons chacun des luttes qui sont liées à des choses qu'on se traîne. On se traîne des mauvaises habitudes, des façons de manger, des façons de boire, des façons de penser, des façons de se faire des préjugés, des façons de juger notre prochain, de façon d'avoir vraiment très très peu de confiance en soi. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, Dieu veut te donner les victoires. Dieu veut te donner la victoire et sa grâce est là. Et ça, c'est là-dessus que Dieu veut insister. Insister sur cette notion de grâce. La grâce n'est pas simplement un vocabulaire biblique, c'est une puissance, c'est une réalité qui vient du spirituel pour le physique. Donc, c'est par cette grâce que Dieu déverse sur toi son amour et sa bienveillance, sa bonté qui te permet de vaincre tes démons, de vaincre toutes ces choses qui t'entourent, qui t'enveloppent et qui te font vraiment, vraiment souffrir. Donc, on va voir vraiment que je ne vous raconte pas des histoires et on va aller voir dans la Bible. Donc, je vais vous lire quelques versets et nous allons voir que nous avons vraiment un Dieu qui nous aime, qui aime toutes ses créatures. Toi qui as le souffle de vie, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu as l'Esprit déjà, tu as l'Esprit de vie de Dieu. Donc tu as quelque chose en toi qui appartient à Dieu. Même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, eh bien écoute, tu as dès ta naissance hérité de l'Esprit de vie qui t'a été offert par Dieu. Tu vois comme quoi les hommes sont tellement ingrats, alors que pourtant, s'ils peuvent respirer, s'ils peuvent se lever chaque matin, eh bien en fait c'est déjà des dons de Dieu et cet esprit de vie c'est un héritage de Dieu. Et quand l'homme croit qu'il vit parce que c'est sa bonne volonté ou que c'est par ses propres forces que l'homme peut vivre, c'est complètement une erreur, c'est complètement faux. Si l'homme peut se lever
et aller à ses projets, aller à ses objectifs, aller à son travail, s'il peut voir ses enfants encore un jour de plus, c'est uniquement une bonté de Dieu. C'est Dieu qui fait déjà grâce. Dieu fait grâce à tous les hommes. Il fait pas grâce uniquement aux croyants, il fait aussi grâce énormément, énormément grâce à ceux qui ne sont pas croyants. Dans la Bible, nous avons le. Alors, je vais prendre. Alors, je vais prendre le psaume 145, qui est au verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui s'en vont tomber. L'Éternel soutient tous ceux qui s'en vont tomber et redresse tous ceux qui sont courbés. Donc tu vois que en fait tu n'es pas à l'abandon. Simplement toi fais travailler ce muscle, fais travailler ta foi. Nourris-toi de la parole de Dieu si tu n'as pas la Bible. Trouve-toi une Bible, procure-toi une Bible, achète une Bible et fais travailler ce muscle de la foi. Et par la révélation de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, tu vas avoir ces pensées-là qui vont germer, grandir, une semence qui va croître dans ton cœur, qui fait que tu seras convaincu que jamais tu ne peux être laissé à l'abandon. Il faut avoir conscience de ces choses pour que ces choses soient efficaces. Il faut avoir la foi en ces choses pour que ces choses soient efficaces. Car Dieu rémunère, Dieu peut intervenir dans ceux qui ont la foi. Là où il n'y a pas de foi du tout, dans ce que Dieu peut faire pour toi, Dieu ne saurait être efficace pour toi. Si tu n'as pas une foi en la guérison, si tu n'as pas vraiment de conviction, les paroles s'annulent. Elles partent à la dérive et elles ne peuvent pas s'exaucer dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. C'est pour ça que c'est important de tout saisir par la foi et de ne pas douter. De ne pas douter. Donc, quand Dieu te dit qu'il te soutient lorsque tu t'en vas tomber, attends-toi à lui. Attends-toi à lui et tu vas voir comment il va te relever. Quand tu sens ce poids, cette charge sur toi, et tu vas te sentir redressé comme par miracle, et tu vas dire, oh mon Dieu, merci de m'avoir donné à nouveau la force, la santé, le courage. Moi, des fois, il m'arrive souvent de me sentir à bout, les situations, les épreuves, et toujours, toujours, Dieu intervient pour relever. Et quand il relève, on est encore plus fort qu'avant. On est encore plus fort. C'est-à-dire que on se trouvait vraiment faible, faible, faible. Et là, quand on se croit faible, eh bien, on avance, on avance, on avance sans se décourager. Et tout d'un coup, on se retrouve relevé, fortifié, avec des aptitudes, des capacités qui nous dépassent. C'est-à-dire que finalement, Dieu renouvelle les forces comme c'est inimaginable. Donc tu peux avoir vraiment une énergie, une force, un courage qui va te dépasser. Donc pour ça, pour que ta foi soit dans cette dimension, c'est important que ces versets, tu te les marques. Tu vois, que tu te marques ces versets, que tu te fasses une liste et que tu en prennes lecture. Tu te prends une fiche avec une thématique, tu mets Dieu rend capable, Dieu me rend capable, et là tu te mets les versets qui te rappellent que Dieu te rend capable. Et à ce moment-là, tu les relis matin, midi et soir, avant de te coucher, tu les lis, à ton réveil, tu les lis, et tu vas être fortifié, fortifié, fortifié. Donc ça, l'Éternel soutient tous ceux qui s'en vont tomber et redresse tous ceux qui sont courbés. Ça, c'est le psaume 145, verset 4. Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu.
Donc, il y a celui, alors celui, c'est Dieu qui nous a fermis avec vous en Christ. Tu es affermi, dit la Bible, tu es rendu plus ferme, tu es rendu plus fort, tu es rendu plus fort, plus ferme, plus solide, plus costaud, plus stable, tu es rendu plus fort. Or, celui qui nous affermit, c'est Dieu avec vous en Christ. Imagine-toi que tu habites dans Jésus. Imagine-toi que de façon physique, tu es en Jésus-Christ. Tu es assis dans Jésus d'une façon un peu comme si tu étais assis dans la baleine, dans une baleine, sauf que là, tu n'es pas dévoré par une baleine, mais tu es venu à être assis délicatement au-dedans de Jésus-Christ, qui est immense, imaginons, et toi, tu es assis dedans lui, et c'est lui qui te protège. C'est lui qui te protège face aux attaques. Imagine combien tu es protégé lorsque tu es en Jésus-Christ. Imagine c'est vraiment cette puissance dans laquelle tu habites, dans ce corps puissant de Jésus-Christ ressuscité. Imagine-toi dedans, lui qui a vaincu l'enfer, lui qui a vaincu la mort, lui qui vit éternellement, lui qui est ressuscité, lui qui vit éternellement, lui qui est dans les cieux à la droite de Dieu, assis en lui. Alors quand tu es assis en lui, en plus tu es dans les cieux, tu es intouchable, intouchable. Et voilà comment c'est par cette compréhension, en saisissant cette réalité, que toi tu peux te maintenir victorieux. Ce qui est important, c'est que tu sois vraiment, vraiment, vraiment dans cette dimension de te dire « mais je suis vraiment fort là où je suis. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Si j'ai accepté Jésus-Christ, je suis assis en lui, protégé par lui, comme par une forteresse. Je suis en lui, dans une habitation extraordinaire. Je suis en Jésus. » La Bible l'enseigne. Il y a des versets où la Bible l'enseigne et c'est vraiment extraordinaire. Le tout, c'est d'ajouter foi à cette chose, de se dire « moi, je suis en Jésus ». En gros, tu vois, quand tu as une foi qui te dit « je suis intouchable, je suis plus fort que mes ennemis, j'habite en Jésus ». Et il m'a fermé, imagine comment tu es en train de, rien qu'avec tes pensées, avec ta foi, combien tu es en train d'enlever du pouvoir à l'ennemi. Comment les démons, après, ils peuvent fuir devant ta foi. Le tout, c'est de booster ta foi, tu vois. Ta foi, c'est ce que le diable veut détruire. Mais moi, je vais dire une chose. Puisque le diable veut détruire ta foi, moi, je vais faire en sorte de travailler à ce que ta foi se multiplie. Je vais être un canal par lequel Dieu passe pour multiplier ta foi, pour booster ta foi, que ta foi soit multipliée. Et là, tu vois comment je vais déjouer les pièges du malin en redoublant de force, de vitalité, ta foi. Nourrir ta foi, ça sera fatalement l'échec du malin dans ta vie. Ce sera l'échec du malin dans ta vie, de dynamiser ta foi, de la rendre plus forte, plus solide. Parce que, il faut être clair, c'est que la foi se travaille. La foi, elle vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, mais la foi vient aussi de ce que le prédicateur, le pasteur, l'apôtre, le prophète peuvent enseigner. Donc ça c'est vraiment, ou même l'évangéliste peuvent enseigner, ou le docteur aussi, ou les prophètes, le prophète, le docteur, l'évangéliste, donc la foi vient comme ça. Donc tu vois comment on peut, détourner les pièges de l'ennemi, c'est en boostant ta foi. Donc tu es affermi par Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de toi. C'est Dieu qui te rend capable, c'est Dieu qui te rend plus ferme, c'est Dieu qui te rend plus fort. Donc, il y a ta part à toi, mais la part aussi qui t'appartient par la foi de saisir.
de saisir par la foi qu'une force extraordinaire, la puissance de Dieu t'a fermé, que ta foi soit vraiment assurée de cela, et tu vas en voir les effets. Tu vas en voir les effets. Plus tu auras conscience de ces versets, plus ta foi sera forte et plus tu seras un adversaire redoutable pour tes ennemis spirituels. Ça, c'est vraiment très, très important. Non, que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Donc la façon de penser saintement, la façon de penser bibliquement, la façon de penser de façon équilibrée et avec vraiment d'avoir la pensée de Dieu, eh bien c'est un don de Dieu, tu vois. Nous qui pouvons être sensibles aux événements de la fin des temps, nous qui sommes sensibles, qui sommes, dans le discernement, ça ne vient pas de nous. On peut pas s'enorgueillir. C'est de la bêtise de s'enorgueillir parce que rien ne vient de nous. Moi, ça me dépasse qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, un pasteur puisse s'enorgueillir puisque finalement rien ne nous appartient. Tout est un don de Dieu. Même si vous avez de l'argent, des finances, une réussite quelque part, rien ne vient de vous. Tout est un don de Dieu. Même moi, admettons, si aujourd'hui j'ai fait des devis pour des personnes, si demain j'ai des résultats, et ça sera pas moi, c'est que Dieu m'a fait la grâce de m'accompagner, de me donner, d'ajuster les prix comme il faut, de côtoyer les bons intervenants, les bons prestataires, les bons partenaires. Et seul par la grâce de Dieu, je peux voir des résultats. Mais je ne peux pas m'enorgueillir même de quoi que ce soit, ou même de... c'est inutile, c'est une perte de temps, l'orgueil. Donc, et toutes les croire que c'est ma capacité, que c'est notre capacité, c'est de la bêtise. Il n'y a rien qui vient de notre capacité, tout est un don de Dieu. Donc, vous voyez, quand, moi par exemple, si on me fait des, si on me dit que je chante bien ou que je chante mal, eh bien je me dirais, si je chante mal, c'est ma faute, mais c'est pas la faute de Dieu. Et je dirais, si je chante bien, c'est grâce à Dieu. Mais de toute façon, devant le Dieu saint, le Dieu parfait, c'est jamais sa faute. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que je n'ai jamais la faute à Dieu, mais c'est surtout, c'est certainement notre faute. Si moi je fais des fausses notes à ma guitare, c'est parce que je ne travaille pas assez. Si ma voix est mal positionnée, c'est parce que je chante pas, je travaille pas suffisamment ma voix convenablement pour glorifier Dieu. Mais en fait, si quelque chose ne va pas, c'est toujours parce qu'on a fait le mauvais choix, on a fait le mauvais choix, on a fait le mauvais programme, on a choisi les mauvais objectifs, on a fait la mauvaise organisation du planning, on s'est mal occupé, on a été dans l'oisiveté, dans la paresse, mais c'est pas la faute à Dieu. Donc, toute la capacité vient de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu te pourvoit à tes capacités mentales, Dieu pourvoit à tes capacités intellectuelles. Plus tu auras conscience, notion que la capacité te vient de Dieu, plus tu croiras que Dieu peut te donner, pendant les études, des notes extraordinaires. Dieu peut te donner dans ton entreprise des résultats extraordinaires parce qu'il va te donner la capacité, il va gérer tes affaires. Plus ta foi est présente dans les situations, dans les événements, plus ta foi est là, présente, plus tu as conscience que c'est Dieu qui te donne la capacité, plus tu vas dépasser ceux qui t'entourent. Tu vas dépasser ceux qui t'entourent. Tu vas dépasser
ceux qui t'ont précédé. Ça, c'est vraiment important. Tu vas dépasser ceux qui t'ont précédé. La foi est une arme inimaginable. La foi est une arme inimaginable. Donc, ce verset, c'est donc non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser de quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Ce verset est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Il est écrit aussi qu'il nous a rendu aussi capables d'être les ministres du Nouveau Testament. Dieu nous a rendu aussi capables. Donc, vous voyez, toute capacité, tout ce capable, toute cette, comment Dieu renfort, comment Dieu affermit, comment Dieu soutient, tout ça, ça vient de, du Créateur, du trône de la grâce. Vous voyez? Donc, il faut savoir aussi que pour l'obtenir, il faut passer par la prière faite avec foi. Donc, voilà, pour recevoir, il est dit, il faut demander. Il ne faut pas s'attendre à demander sans ouvrir sa bouche ou sans ouvrir son cœur. On peut prier en silence aussi pour prier Dieu. On peut prier en parlant à haute voix, dans sa chambre, dans une pièce. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu joue à la devinette. Dieu n'apprécie pas trop les devinettes, n'apprécie pas les choses cachées. Il n'est pas là pour deviner, il n'est pas là pour imaginer, parce que Dieu, même s'il connaît le fond de nos pensées, ce qu'il veut, c'est qu'on exprime clairement nos besoins. Tout comme un enfant va exprimer clairement les besoins à son papa, à son père, ça c'est naturel. Donc de la même façon, comme Dieu est notre père, les besoins doivent être exprimés clairement, de façon claire. C'est important que ça ne soit pas flou. C'est important de dire exactement ce que tu veux, exactement ce que vous voulez. Et pour être exaucé, c'est important de prier. Donc, de demander, et il dit même de insister. Insister. Aura celui qui est puissant pour vous garder sans que vous fassiez aucune chute et vous présenter irréprochable, irrépréhensible devant sa gloire avec joie. Donc celui qui est pour ça, puissant pour vous garder. L'action là, ça vient de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là pour te garder. Donc ne te dis pas comment ça va se passer. Dans 5 ans, dans 3 ans, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver dans 6 mois? Est-ce que je vais y arriver dans 2 mois? Est-ce que je vais y arriver demain, après-demain? Ne te pose pas la question. Chaque jour, il y a un temps. À chaque jour, ça vaut sa peine. Ne te soucie pas du lendemain, dit la Bible. À chaque jour, Dieu va te donner ta portion et rien ne manquera. Tout est question de foi. Quand la foi est ferme, je t'assure, l'ennemi s'en va en courant. Chaque jour que tu as la foi, tu seras vainqueur par la foi. Si ta foi vacille, si ta foi se retire, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Une porte à l'ennemi pour prendre le dessus sur tes pensées, prendre le dessus sur tes actions et t'amener là où il ne faut pas aller. Mais si tu es dans la foi, tu verras que tu ne laisseras pas de place à l'ennemi et tu seras vainqueur. Et dans la réussite par rapport à ce qui t'est si cher. Donc, puissant pour vous garder. Il est écrit aussi, alors ce verset c'était dans Jude, verset 24. Il est écrit, rejette ta charge sur l'Éternel et il te soulagera. Le problème des hommes, c'est de se prendre pour Dieu. Ils se gardent leurs soucis. Ils ont des soucis, ils se plaignent, ils se les gardent sur les épaules, alors qu'ils ont oublié que Dieu leur a dit « Remets-moi ton souci ». Et souvent, même lorsqu'ils remettent les soucis à Dieu, ils les reprennent à Dieu pour les reprendre et les reporter eux-mêmes, pour encore faire jouer à Dieu, en fait. Alors que Dieu leur propose gratuitement, nous propose gratuitement de porter nos soucis et nos fardeaux.
Donc là, je veux te rappeler que c'est Dieu qui fait cette part pour toi. Il te l'offre. Il te l'offre. Tu lui dis, voilà, tu vois ce fardeau. Tu vois ce fardeau. Tu vois cette charge. Je te la remets, mon Dieu. C'est trop, trop de travail pour moi. C'est trop compliqué pour que je puisse y arriver. Je te le remets, mon Dieu. Je te le remets et je ne le reprends pas. Je te le remets et je ne le reprends pas. Je te le laisse et je sais que tu me soulages car c'est ta promesse. Au nom de Jésus, j'ai prié et je le crois et je ne doute pas. Tu vois, voilà comment ça va agir pour toi. Alors, il est écrit donc, rejette ta charge sur l'Éternel et il te soulagera. Donc ça, c'est la promesse. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à imaginer. C'est une certitude. Si tu as un conflit, une difficulté dans ton entreprise, dans ton travail, avec ton patron, avec tes collègues, avec ton épouse, remets ce fardeau. Remets ce fardeau. Si tu as un challenge avec tes enfants, dans l'éducation des enfants, remets ton fardeau à Dieu et il va s'en occuper. Et attends par la foi. Espère vivement par la foi. Attends-toi à voir la main de Dieu et tu vas la voir, c'est certain. Il ne permettra jamais que le juste tombe. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu tombes. Dieu n'engendre pas des petits Christ, des disciples, des chrétiens, pour qu'on soit comme des feuilles qui tremblent au vent. Dieu veut qu'on soit solide, ferme. C'est sa volonté. Il ne veut pas que tu tombes. Donc ça, c'est dans le psaume 55, verset 22. Donc, le trône de la grâce est là. Le trône de la grâce, ce sont des dons. Il y a aussi un esprit de grâce. Et cet esprit de grâce, tout ce que Dieu a fait est esprit. Il y a un esprit de grâce qui vient pour t'aider dans toutes tes difficultés, dans tout ce dont tu as besoin. Chaque jour, il y a un esprit de grâce et qui vient t'aider et qui est, je dirais presque comme un ange envoyé, un esprit qui vient là pour t'aider, cet esprit de grâce et qui vient te sortir de ton puits, de ton fossé, de ta ruine, qui vient te sortir de ta ruine, qui vient te sortir de ton malheur. Et il y a un esprit de grâce qui est vraiment réel pour vous aider, pour vous délivrer. Ça fait partie de ce que Dieu a prévu dans son plan, c'est qu'une grâce agissante, puissante, vienne nous secourir. Il faut savoir qu'il y a des esprits partout, il y a des esprits partout, Dieu est esprit, et il a prévu des esprits pour toutes choses, des esprits pour toutes choses, des anges, des esprits pour toutes choses, pour subvenir aux besoins des saints, pour aider les hommes, pour aider dans des situations d'accident. Il pourrait y avoir, si nous pouvions imaginer tous les accidents qu'il y aurait si Dieu enlevait ses anges, tous les bons esprits que Dieu enlèverait pendant un moment, ça serait une catastrophe, une catastrophe terrible. Mais les anges, les esprits sont là, les esprits de Dieu sont là, les anges sont là pour venir au salut des hommes, pour sauver les hommes, les délivrer, prendre soin d'eux, jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils soient fermes, solides, costauds, pour qu'ils soient fin prêts pour ou l'enlèvement, ou fin prêt pour le paradis de Dieu lorsque le moment est venu de retourner au ciel, d'aller au ciel. Donc le but pour Dieu, c'est qu'on finisse bien, bien préparé, solide. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous, les enseignants de la Bible devraient engendrer des chrétiens très solides. Vous pouvez des fois vous imaginer qu'on vous prend peut-être pour des imbéciles en vous donnant l'impression que vous devez être juste des petits chrétiens.
Moi, je veux vous faire comprendre que Dieu veut plus que ça. Dieu veut pas que vous soyez des petits chrétiens. Dieu veut que vous soyez des chrétiens de grande foi, solides, fermes, responsables, qui soient des manifestations de la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Dieu veut que vous soyez vraiment des lettres écrites, des lettres vivantes, où les gens, quand ils vous regardent, ils voient Jésus-Christ. Que vous soyez victorieux dans vos challenges, victorieux dans vos situations, que vous puissiez être toujours joyeux chaque jour, malgré les difficultés. Et cela, c'est possible par cette grâce. Dieu vous rend capable. Et c'est possible. Quelles que soient les apparences, je vous dis que c'est possible. Placez votre foi en Dieu, nourrissez-vous beaucoup de la Bible et priez, priez. Jamais vous ne perdrez de temps. Jamais vous ne perdrez 5 minutes à lire la Bible. Si vous passez 1 heure, vous perdrez jamais votre temps. Si vous passez 2 heures, vous perdrez jamais votre temps. Votre bénéfice sera énorme lorsque vous lirez la Bible. Votre bénéfice sera énorme quand vous lirez la Bible. Ne vous laissez pas tromper par les téléphones, les télés, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Coupez-les, mettez-les de côté et nourrissez-vous de nourriture céleste. Nourrissez-vous de lecture divine, de la parole de Dieu. Ne mettez pas le téléphone à côté sur le lit ou à côté là. Mettez-le dans une autre pièce. Mettez-le ailleurs. Débranchez le Wi-Fi, débranchez le réseau s'il faut. Écartez votre téléphone de vous et soyez tranquille en tête à tête avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir aller à la source de la grâce et recevoir la force et recevoir la grâce et recevoir l'esprit et recevoir la puissance. C'est très, très important. C'est important. Donc voilà, je vous remercie, chers frères et sœurs. Pour moi, c'était un sujet très important à partager. Je tiens dans cette période de notre vie, dans cette année dans laquelle nous sommes, à bénir. Je tiens à bénir les enfants de Dieu. Si je fais des enseignements, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui me pousse. Si je connais ma faim. Je connais combien j'ai faim d'enseignements bibliques. Et je sais que d'autres ont faim aussi. Et c'est ce qui me pousse à vouloir vous faire du bien. C'est comme ça que je sers Dieu et c'est comme ça que ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ce qui est pour moi le plus important de tout, c'est de servir Dieu. C'est le plus beau, la plus belle chose que le Créateur demande, puisse permettre aux hommes de réaliser, c'est de le servir. Il n'y a rien, rien de plus beau que de servir Dieu. Il n'y a rien de plus beau que d'évangéliser et de parler de Jésus à des hommes et de les voir venir à Jésus-Christ, ensuite de se faire baptiser d'eau. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Créateur plutôt que de servir les hommes. Il n'y a rien de plus beau. Ça, c'est une journée utile, utile lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on évangélise. Ça, c'est une journée utile. Ce n'est pas une futilité, ce n'est pas une chose vaine. Quand on enseigne la parole de Dieu, quand on va parler de l'amour de Dieu autour de soi, quand on va dehors dans la rue, quand on fait du bien aux pauvres, ça c'est une journée qui méritait d'être vécue. Ça c'est vraiment une journée qui porte du fruit. Parce qu'avant tout, je souhaite vous rappeler que ce qui est important, c'est que vous portiez du fruit. Et souvent, malheureusement, beaucoup ne portent pas de fruits, mais je crois au nom de Jésus que par la grâce, Dieu te rend capable. Je proclame dans le nom de Jésus, pour finir cet enseignement, que Dieu, désormais, te rend capable. Dieu te rend capable de maîtriser la situation. Dieu te rend capable de vaincre ton addiction, de vaincre
ta gourmandise, de vaincre l'alcool, de vaincre la cigarette, de vaincre les pâtisseries, le sucre. J'ordonne à tous ces démons de quitter ces corps au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous avons la victoire sur la parole des apôtres. Donc, et je crois que la grâce te rend capable, que tu vas te souvenir que la grâce te rend capable, capable de vaincre, capable de ne pas avoir peur de tes ennemis, capable de faire évacuer l'amertume, capable de pardonner, capable de travailler, capable de réfléchir, capable de t'organiser, capable de ne plus perdre ton temps, capable d'éduquer tes enfants, capable d'aimer ton épouse, capable de ne plus tromper ton épouse, capable de dire « je t'aime », capable d'aimer tous les hommes. Je crois que Dieu te rend capable, au nom de Jésus, Dieu te rend capable d'avoir des notes scolaires dans l'université, des notes excellentes, d'avoir des résultats excellents. Dieu te rend capable de décrocher un travail. Dieu te rend capable d'avoir des nouveaux clients au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie de votre écoute. Partagez l'enseignement si vous a fait du bien, si vous a fait plaisir pour bénir un de vos frères, une de vos sœurs ou des gens de votre famille, peut-être pour faire de l'évangélisation, que ce support puisse être aussi un support d'évangélisation. Ce sera avec joie de voir les partages. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous remercie. Et Père éternel, je te prie de bénir tous mes frères et sœurs, de les conduire, de les diriger, de les rendre capables, de les fortifier, Père, parce que ta grâce est là, accessible et illimitée. Merci, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs, dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ. Can I do? I reach to
lui.